Mesdames, Messieurs, bonjour. Célébration des 26 ans de prise de chair de Dago du Esprit Saint à Ponomé, une messe pontificale en l'honneur de Parfaite, son temple a été célébrée par le pape Christophe XVIII samedi 17 novembre dernier. Toujours dans le cadre de la fête de novembre, son éternité a dévoilé à ses enfants les grands projets de réalisation de la mission qui débuteront au cours de l'année prochaine. Au terme de ces 4 jours de pèlerinage, certains Dago vivent des communautés étrangères ayant fait le déplacement sur Bonomé pour magnifier son éternité se sont prononcés. Bienvenue dans ce journal. Les fidèles de la très sainte Église de Jésus-Christ, mission de Bonomé, ont célébré du 15 au 18 novembre dernier le 26e anniversaire de la prise de chair de Dago du Esprit Saint, un événement qui a réuni des milliers de Dago vivant sur la sainte colline à Bonomé. Reportage. Chant, danse, c'est dans cette ambiance bon vivre que le 26e anniversaire d'entrée dans l'humanité de Dago du Esprit Saint, ainsi que les 26 ans de descente sur terre de Parfaite son Saint-Temple, et les 26 ans de Naï Nicole, la représentante de la Vierge Marie sur terre, le tout combiné aux 6 ans de pontificat de sa sainteté, le pape Christophe XVIII, ont été célébrés sur la très sainte colline d'Ézéchiel à Bonomé. Des moments de grande réjouissance qui ont donné lieu à un bilan général de parcours. Miho, ouvert et gestionné la main, au péril aussi, au fifon, donne-nous, Bodhi, nous manuels, au fond de la charologie, mais le domaine, ouvert à l'Ihamenou, à charologie, au fiton les peaux. Nous t'aimons, des propos renchéris par son éternité qui s'est davantage révélé au monde. Depuis 2012, c'est la 7e fois que la fête de novembre rassemblant des milliers de Dago vit à travers le monde est célébrée au sein de la très sainte Église de Jésus-Christ à Bonomé, Sovidji. Toujours dans le cadre de ces festivités, la première messe pontificale a été célébrée dans la journée du samedi 17 novembre par sa papauté. Suivant. C'est par une procession que cette première messe pontificale s'est ouverte sur la sainte colline à Bonomé. Les textes liturgiques tirés du livre de la sagesse, de l'Apocalypse de Saint Jean et l'Évangile selon Saint Luc au Dagobi parlent de l'amour de Dago pour son peuple et de la part d'héritage réservée à tous ceux qui lui sont fidèles. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au Dagobi. Chapitre 1, versets 68 à 79. En ce jour-là, Zacharie, rempli de la grâce de Dago,
prononça ces paroles prophétiques. Béni soit Dago, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu quand on visite l'as d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de ta bonne Dieu tout-puissant. Dans son enseignement, le très saint père a accentué son message sur le mystère qu'est Dagbo, Dieu le Créateur, lui qui est maintenant en chair parmi ses enfants pour leur salut. Quand nous parlons de Pentecôte, cet Esprit Saint qui a fait descendre ses grâces sur les apôtres pour que l'Église de son Fils puisse se perpétuer dans le temps, cet Esprit Saint, ce n'est plus sa grâce seulement, lui-même, il est en chair et en os parmi les hommes. C'est un mystère insondable. Et ces trois fêtes qui se cumulent en ce mois de novembre, si seulement cette humanité pouvait savoir, il y aurait plus de ruées vers la montagne d'Ézéchiel. Je ne peux que rendre grâce avec vous qui êtes ici et pour vous, c'est votre chance. Soyez bénis. Et que tout ce que vous venez d'entendre à travers les tests et qui se réalise sous vos yeux devienne vraiment réalité dans vos vies personnellement. Vint enfin le moment de la consécration du pain et du vin en corps et en sang du Christ le Sauveur, la communion et la bénédiction finale. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Que ta Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Le troisième jour du pèlerinage sur la Sainte Colline a également été riche en enseignements. Une opportunité pour les Dagovis d'approfondir leur connaissance sur la foi en Dago. C'était à travers une conférence animée par le cardinal Kosovo. Nous essayons de dire que nous sommes sous port. Bon, nous sommes en fait, nous disons que nous sommes en baisse. Nous sommes en baisse. Nous sommes en baisse. Nous sommes en baisse. Ndidi yo eno besin hosi seji. Nou debu e di nou na e, ma we a, beto we di na, vodun we a, eno besin hosi seji. Bo eno se nou osin ho, me de we nou do hoton nou men. Bo e wa se yi nou kon, eno wa mounu jire jire nou oton. Chobo nou wa di nou. Le, ndidi nou bek bon ene. Nous mettons ça en l'occurrence. Et donc, beaucoup de ces choses, nous les voyons. Tu vois, on va content. Oui, nous le content de nous, on est sûr d'aller là. Oui, nous allons content. Et donc, on a dilemme de l'air de nous contrôler. Et là, ça, madame, a dit bon à dire, on dirait de l'air clair. Bon, dis-nous, on va quoi.
e hen en a clon no kondo beze wulu mebo mon wo don we bo ana modo de o melo e don no kuno mi mon bo melo e hen en a hoi swin e no yin pomo do no mesin lesin alo hwe lo do ma o me de so mo we no yin pone dagbo vile e mi di ni dagbo egbedion me di we do pana me si huwo mi se tobo wa so alibo wa pana me body ni dagbo mi ka wa pana me o mi monu jire jire teme teme dagbo ra san po e nu ji wo teme teme e blo dagbo de le ta ji o ma o e sa gbasa o go ho e me e no bi o ndidi no wanu dagbo vile taun kon ko ho e ne o bla me dagbo da gbasa me o agbasa no gobi le no to jo kon fu keke me bo si bere me beron gobi e ka jo agbasa to o agbasa o e no yo buno ti jo kon e ton si keke me no a wiro agbasa si ko awo e no ple beron moro de ji u de ro fine bo ti je nu jire jire titi we yin le gbana me do nu jire jire po nu eti e no hore do be no sale we a je we a buji we a chape le we a nu we ta gbo mi tono do sin gbon we ne le ti a hun e wa gbana me o e se ho cho wa gbana me bo di ni ta gbo bo e ka wa gbana me o nu jire jire ro fine a son bi gbo ro fine hun nu didi de bo e no be sin ho si se podo nu jire jire poji amon nu bi we ka do na dia e si hu di nu bia ali we we ro pe lo me bo ni di no mle ma o si an le di o e no di nu be se bulu nu me se san le di o e no di nu bo a kru no me ko le ka to mi to fu Jesus Christ ka do nu a di e hun le we kan bo mi gbe to le de suno do nu e di o we no hun le me kan nu e di o bi no hun le me kan nu e di kon be se bulu ti o e no pla me so i do ku e na ble we gbona pipe so i do gangan me hun ma o do kuno ge we si hu di bo ho fo hun mi na di nu di o ma o we mi na di mi ja ye we sin le gbe o ro igre ja katolika me o bo mi ro fi egbe ti o e no kan bi o mi ro mi gbe a o vi sin nu wa lo le bi a mi gbe fo dun a mi gbe nu me sin teme teme le abo mi no gbe bi en de fo de we na di we o e si hu do mi ni gbe nu ene le a mi le ipo ma o sin sin wo le me o sin nu ko ton ro sin ma o ro po ron ma so sin le fo hun ali en di di mi ton nu e mi si hu ri ro pe me fi o e ne yin ma o ne e no do nu e di o we no hun le me kan nu bi we no di bo no mo hun le kan nu tin bo e no di chuwo no be no to me iku hun ma o we mi si bo di bo di bo mo hun le kan apa hwe de fo e di nu ni ma o ndidi alopa te ka si wo hun le me kan edi nu e no san di to sin pe ndidi de yin na do ndi nu po bo na kon aso a ndidi aso de we no zo me aso de we no ton sin nu didi me e ro ye we cha ki sin we ba me bo to ko mi to Abraham o ma yin nu edi nu ma wa che ma o ka ten ndidi ton pon sin bo bi o fi roporo to Isaac do eni so Isaac ko savo ran no emi Abraham yi gbe fo si sa na sin pe bo so Isaac bo na ma o we mi ando de ko so fi o bo na sa fo na cho wa ja lono wa do ndo eni ma ho fi o hun e gbe diyan mi da go fi le mi mi di nu o e ro na mo ro wa lo mi ton le me ne mi ka no do kan do ma o so le wi wa ogun ne mi ko no pe nu ko do ye ha ogun hun a yi ni no so ne mi ka de kan gun we so ke me on ne mi ka de kan gun ni le bi we no de ndidi meton khle mi si di nu wo bla lo do wo na do di nu a e di nu eno de khle do nu wi wa me nu wi wa me je si hu mo ndidi mi ton de ndidi e je ka si hu le mi kan e ne a do nu ndidi yo wi na do si se de ho le ho ro ho ni mo ma Naé Nicole, la représentante de la Vierge Marie sur Terre, a insisté sur la personnalité du Dagbovi ainsi que le redoublement d'ardeur qui doit être le sien. Suivons un extrait de son intervention.
Cette dit de la représentante de la Vierge Marie sur Terre font suite aux révélations de son éternité sur les grands projets de la mission de Bonhomé, en particulier sur les prochains édifices qui sortiront de terre, ainsi que sur l'amélioration des conditions de vie des Dagovi à compter de 2019. De passage dans la chair de Sainte Parfaite, Jésus-Christ le Nazaréen a laissé entendre que les Dagofi doivent tous rendre grâce à Dago, car ils sont déjà à la fin de leur misère. Il a également profité de l'occasion pour réaffirmer son amour à son peuple. Suivons son extrait.
Sur la réalisation des grands projets de construction en vue dans la mission de Bonhomme à partir du nouvel an, quelques Dagobis se sont prononcés au micro de Bonhomme TV. Mais la horde de ça veut dire que nous gagnons. Bon, et quand il nous y a nous d'agbécaire, bon, il y a un vivre nous. On garde aussi le moyen de nous d'agbécaire bissez. Il a mis quelque chose très gros. Bon, donc j'ai mis aussi mis la montre dans la maison à Missa. Le second jour, le second jour, dans Badouraï, voici quoi, il est malicé. Badouraï, bon, voilà, ben via vie, ben, ben, donc, dans le rang, mais les via vie. Via vie bon on le connait trop fils d'agbona wa zote tin bo ina no jang to to emedi fils d'agbona wa zote tin wo chode wa do kholo to e wa do kholo to afunu egbe e bibi na mi kaka ma yo file na jero mi na do fio mi le suenu do a dagbo wenu do bo le ka ko jorogbon bo ba do mi na blogbon mi je me bi koro gbesuso bo mi na bloru o re dagbo do e vivi na mi koja do mi kho do dagbo mi le nyu do mawe azon de be mi to godore edo mi ni gbon fifi re edo mi ni gbon fi roja mi na to gbogbo ki ko de vivi da ko lo ko yin ni mi bi mu ni da gbo si juro bo mi na blo mo yin awon lo na inu kon mi na no ko to mo na blo ba awon na inu kon me e ka ko blo bo nu bi ko ro yi bo ni sin sin mo je na yin ka ka he lo de passage dans la chair de cette parfaite la mère du sauveur Jésus-Christ n'a pas aussi caché ses impressions par rapport aux promesses de son éternité. Elle a exprimé toute sa joie et affiché sa détermination à contribuer au nouvel air que connaîtra la mission dans les tout prochains jours. Je suis contente, heureuse pour les Dagobis, surtout. C'est vrai, je suis heureuse pour tout le Bénin et pour tout le monde entier. Mais particulièrement pour les Dagobis qui n'ont pas encore bien bénéficié de Dagobis, le Dieu qui a pris cher. En tout cas, je ne suis pas encore satisfaite du résultat. Ce n'est pas ce que j'espère encore. Mais je crois qu'avec les décisions qui sont en train de tomber là maintenant, nous pouvons être heureux. Nous pouvons dire tiens, tiens. Je suis plus que jamais déterminé, motivé à vous faire évoluer. Et je le ferai, chers Dagobis, observez-moi seulement. Vous me verrez à l'œuvre. Dagobis tiendra compte de toutes ses promesses dans les moindres détails. Je veillerai à ce qu'il n'oublie rien. Je veillerai à ça.
de cette colline, les gens entendront Dabo sur des kilomètres. Que Dabo lui-même fasse que chaque Dabo vie devienne une référence. Que la vie, qu'il bâtisse la vie de chaque Dabo vie. Que la vie de chaque Dabo vie soit une référence pour les autres peuples. Et tous les sceptiques, ceux-là qui n'arrivent pas à franchir le pas dans la foi, vous serez des témoignages vivants pour eux. Vous serez les œuvres vivantes de Dabo. Et vous allez faire resplendir non seulement la terre, mais aussi le ciel. Merci beaucoup et bonne fête encore. Ces quatre jours de pèlerinage passés sur la Sainte Colline à Panamé ont été riches en événements de tout genre, des moments forts que nous vous invitons à suivre à travers ce reportage. La montagne d'Ézéchiel a accueilli les Dabovis venus honorer son éternité ainsi que le trio de la mission de Panamé. Une occasion pour eux de percevoir la dissemblance entre son éternité d'Abo et parfaite son Saint-Temple. Je m'appelle Parfaite. Je suis le temple de l'Esprit Saint. Et je fête mes 26 ans aujourd'hui. Et les gens qui pensent que c'est moi Dabo, c'est Dabo, c'est parfait. Ils mélangent tout. Et les gens, ils ne me connaissent même pas. Ils ne savent même pas qui je suis, comment j'ai grandi. Ils ne savent même pas ce que je vis. Mais ils me critiquent, ils me jugent. Bon, c'est pas grave. Vous venez de voir tout à l'heure celle qu'on appelle Parfaite, mon temple. Je rentre en elle, j'en sors quand je veux et comme je veux. Sa vie est tout donnée. Elle ne peut pas avoir de vie en dehors de moi. Parfaite, c'est un être humain comme vous. Dabo, c'est le créateur du ciel et de la terre. Celui dont vous entendez la voix, là, maintenant et tout de suite. Des moments de réjouissance au cours desquels le très Saint-Père a fait le bilan des 9 ans de combat de la mission de Panamé. De novembre 2009 à novembre 2018, c'est en évidence 9 années de dur labeur que Dabo vous avez consacré à la cause du salut de tous les Dabois et des hommes de bonne volonté. Dabo, Père éternel, Dieu des Dabovis, fais-nous revenir, que votre visage s'éclaire, alors nous serons sauvés. De passage dans la chair, le Christ Jésus, frère jumeau du pape Christophe XVIII, a entretenu les Dabovis sur la source de sagesse qu'est Dabo du Esprit Saint. Nous avons besoin des savants, des historiens, des chercheurs, des philosophes. Dieu seul est la sagesse. Nous ne connaissons rien, nous ne sommes rien devant le Tout-Puissant. Durant 4 jours, les fidèles de la très sainte Église de Jésus-Christ en communion avec la Cour céleste ont jubilé et magnifié son éternité ainsi que son épouse la Vierge Marie, ce passage dans la chair de Sainte Parfaite. On ne saurait finir cette édition sans prendre le pouls des Dabovis par rapport à la fête suivante. C'est la première fois que je viens à Panamé. J'ai entendu parler par mon ami Jean-Michel, mais je ne pensais pas à ce point. C'est énorme, c'est bien, c'est vraiment, les sensations sont là, l'esprit est là, et on oublie le monde comme si, dès qu'on monte sur la colline, nous sommes dans un autre monde. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Nous nous sentons soulagés de nos bagages. On sent que la fête a été belle. Les préoccupations, les soucis,
tout ce que nous avons amené ici, je pense que ça sera un retour satisfaisant pour chacun de nous. Et on peut que dire Djali Djali aujourd'hui. Je me souviens du premier jour que je suis venu, j'étais tellement en joie que j'étais porté par l'ambiance qu'il y avait ici. Et je me suis retrouvé vraiment dans un état second, mais comme si j'étais porté au ciel. Puis bon, je vais dire, mon passer le message que ça existe, Dieu existe bien vraiment sur terre à Banamé. On est de plus en plus nombreux dans la communauté antillaise à mettre les pieds sur la colline et c'est une joie pour moi. C'est tout pour cette édition spéciale que nous vous remercions d'avoir suivi. Gardez toujours la foi en Dagbo et d'ici à là, prenez le rendez-vous décembre prochain à Wokun, la Nouvelle Nazareth pour les festivités de la Nativité du Christ Jésus.